Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est dans un direct hier que Happy Defolan nous annonce sa réconciliation avec son producteur. Je ne sais pas s'il va l'appeler ex-producteur ou bien nouveau producteur. Dans un direct hier, Happy nous fait comprendre que tout ce qu'il avait raconté ou tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, qui a fait un boom sur les réseaux sociaux, était faux. Que l'affaire des loges, que l'affaire de Tchoukou Tchoukou par derrière, l'aristocrate, était faux. Il a quand même reconnu que le Kior était vrai, qu'il était un bon consommateur de Kior. Et dans ce direct, il nous fait comprendre que l'affaire Kidnapsion était archi faux. Et que c'était un montage, un coup monté par les ennemis de son producteur. Et nous faisons comprendre que son producteur prenait plutôt soin de lui. Son producteur voulait plutôt l'écarter du monde des, je ne sais pas si on dit des kiokers ou c'est des consommateurs de kiok. Et que lui, avec sa maladie, il s'est caché derrière la maladie. Que tout ce qu'il racontait jusqu'à ce qui s'est passé même à la chaîne Canal 2 était les effets du cœur. Happy Defolan, j'espère que demain, tu ne vas pas revenir nous dire que c'est maintenant même que le cœur là même te dérangeait. Que même ce que tu as dit hier là était plutôt faux. Parce que vous êtes trop fort au continent. J'espère que tu n'es pas en crédit ça parce que comme tu t'es réconcilié avec ton producteur, tu veux un peu de compassion, soit pour toi, soit pour ton producteur. Parce que nous sommes sur Facebook, hein, ça vient toujours nous trouver ici. J'espère que ce que tu as dit hier là, c'est vraiment ça qui est vrai. Happy Defolan. Parce que on a vu ta mater, voir ici là dehors pour toi. Et tu as même dit que ta mère a beaucoup marché. Tu as même reconnu que tu étais à l'hôpital Jamo. Et tu as dit que tu ne prends plus le cœur. J'espère que c'est la vérité. Et que tu seras de nouveau sur scène. Mon petit, tu nous as beaucoup blessés. Tout le monde veut te voir revenir sur scène. Tu as dit que l'histoire des bagues, machin, que tu portes, des loges que les gens racontent, c'est du racontage. C'est faux. Nous-mêmes, nous avons pris que ce soit vraiment faux. Ça me rappelle une fois quand l'affaire de Happy et son producteur a chauffé, j'avais reçu un appel. Quelqu'un qui s'était présenté comme le producteur de Happy, je ne sais pas si c'était vraiment lui ou bien si quelqu'un a seulement usurpé ce titre-là. Il m'a dit tout ce que Happy vient de dire hier. Parce qu'il me disait, tout ce qui se passe sous la toile n'est rien d'autre que de la manipulation. Que ce sont ses ennemis qui était caché dans l'ombre pour le nuire, pour le déstabiliser. Et il m'a demandé en cette période-là qu'il voulait faire une vidéo avec moi que je devais diffuser sur ma page. Il était question que dans les jours à venir, on devait se voir. Sauf que moi, j'ai eu peur, honnêtement parlant. J'ai eu peur, j'ai un peu tourné. Parce que tellement tout le monde était contre le producteur de Happy. Je me suis dit, si j'accorde cette audience à Happy, et qu'effectivement, n'est-ce pas, il vient expliquer tout ce que Happy nous explique maintenant, les gens vont se dire que j'ai pris beaucoup d'argent, je ne sais pas, qui m'a payé pour ça. Raison pour laquelle j'ai préféré tourner en attendant. Heureusement, aujourd'hui, voilà les vérités qui viennent nous retrouver. Happy nous dit lui-même que tout ce qu'on a vu sur la toile, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, était tout sauf la vérité. On peut cogner les têtes des gens comme ça, Happy. On peut se moquer des gens comme ça, Happy. J'espère que maintenant, si tu as pris conscience. J'espère que maintenant, si c'est ce que tu nous as présenté. Parce que tu as fait rêver les jeunes. Nous-mêmes. Mais mon frère, j'espère que maintenant, si ça sera vraiment pour le meilleur,
Parce qu'on ne veut plus les pleurs du bol. J'espère que ton producteur a aussi bien réfléchi cette fois-ci pour te reprendre encore. Tu as dit, tu as demandé les excuses. Tu t'es agenouillé parce qu'il reste après tout ton producteur, ton grand frère, ton père, tout. J'espère qu'on ne va plus entendre les pleurs du bol après. De toutes les façons, on est là. On attend le nouveau single comme vous avez annoncé. Nous sommes là, on attend. Sur ce, je te souhaite bon vent, Happy. Et beaucoup de courage à ton producteur. C'était le général Franco. Ciao. Si tu es nouveau, abonne-toi. Merci de partager la vidéo. Vision Pro. Prévision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes mieux. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672-30-37-85-697-39-27-28.